Cette centenaire a perdu le sommeil. La case où elle a passé presque toute sa vie au quartier Tungan 3, dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, est en passe d'être démolie. On veut nous déguerpir des forces. Où est-ce qu'on doit aller? C'est très difficile. Je vais faire quoi de ma vieille cabane? Je suis ici depuis longtemps. Il y a les lieux sacrés. Nous sommes désemparés. Seigneur, viens-nous en aide. Comment est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir? Comme elle, environ 350 familles autochtones pourraient subir le même sort, dit-on, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de sécurisation de l'agence Ouest de la Société Camerounaise de dépôt des produits pétroliers. Nous n'avons jamais eu connaissance du projet de la SDP. Qu'est-ce qu'on met dans sécurisation? Personne n'a jamais rien dit. Quand j'arrivais ici, je posais la question au nouveau directeur qui s'est installé. Qu'après la barrière, là, est-ce qu'il y a quelque chose de... Il lui a dit, après la barrière, on n'a plus rien dehors. On a les 3 hectares de terrain qu'on a occupés. Ça nous suffit. Maintenant, c'est plus de 23 hectares qui prennent. Ces riverains sont d'autant plus surpris d'être menacés, alors que le décret d'indemnisation faisant allusion à ce projet ne mentionne nulle part leur quartier. En 2018, nous avons eu connaissance d'un décret d'indemnisation qui concernait les riverains de la SDP, agents de Bafoussam. À la lecture de ce document, l'article 1er précisait bien les lieux dits, le quartier Tungan 6 et Kopchou. Malheureusement, ceux qui ont fait le travail technique sont venus prendre les habitants de Tungan 3. Ils ont créé l'amalgame. Dans cet amalgame, ils se disent méprisés au regard des montants insignifiants qui leur ont été proposés en guise d'indemnisation. Ma maison est construite depuis 85, comme ça, je suis comme ça, en ces temps-là, au moins à 16 millions. Actuellement, on me dit qu'on me donne 13 500 francs. Je vais faire quoi avec 13 500? Tous mes enfants sont presque nés ici. J'ai au moins 17 enfants. 13 500 francs CFA pour une maison en matériaux définitifs, construite sur une superficie de 400 mètres carrés. De quoi irriter certains riverains. Moi, je suis prêt à mourir pour cette affaire-ci. Parce que je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où je peux avoir un problème. Je peux lancer ma part de poule au village. Je ne sais pas où je peux faire ma part de sacrifice. Je ne sais pas où je peux faire ma part de sacrifice. On me chasse sur mon village. Né et grandi. Je n'ai pas où. C'est un zone de recasement. Je n'ai pas où. Je n'ai pas où. Le dépôt est venu nous trouver là. L'obstination des autorités à vouloir avancer, malgré le flou et les incompréhensions autour de ce projet, pourrait conduire à une nouvelle manifestation, comme ce fut le cas par le passé. Eux-mêmes ont des soucis. C'est la tombe de ma grand-sœur.